Donc je vais vous présenter rapidement le projet de prospective territoriale alimentaire que l'on conduit actuellement sur le territoire de l'Ardèche. Donc c'est un projet qui est conduit de façon partenariale par le Parc des Monts d'Ardèche, la Chambre d'agriculture de l'Ardèche, le Centre de développement agroalimentaire et le département qui est aussi partenaire et financeur de ce projet. Donc l'alimentation, c'est un sujet que l'on souhaitait aborder au parc depuis quelques années car il est à la croisée de grands enjeux qui nous concernent, le changement climatique, la raréfaction des ressources naturelles, l'évolution des pratiques alimentaires, les questions d'utilisation de l'énergie également, mais aussi des thématiques plus sociales autour de l'accessibilité sociale à une alimentation de qualité et les enjeux de santé également. Donc à la croisée de ces grands enjeux, l'alimentation nous semblait être une thématique intéressante pour notre territoire. C'est aussi une entrée qui permet d'aborder de façon très concrète la question de la transition parce qu'elle nous concerne tous quotidiennement. On a souhaité conduire autour de l'alimentation une approche prospective, c'est-à-dire une approche à échéance d'une vingtaine d'années, imaginer les futurs possibles et du coup, à partir de ces futurs possibles, construire les scénarios qui permettent de projeter le territoire à échéance d'une vingtaine d'années. Et cette approche prospective, l'idée, c'est vraiment de provoquer les changements plutôt que de les subir.